Eh bien salut à tous, c'est 77 Cabal, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 sur Desperado 3. Il faut que je parle un peu plus fort parce que j'ai vu que j'ai baissé un peu le son de la musique. Parce que j'ai vu que dans le premier épisode c'était un peu compliqué de m'entendre dans l'accueil. Donc on va le baisser à 50. Hop. Ok, donc on se retrouve sur le deuxième épisode. On va poursuivre l'aventure de notre cher Cooper, savoir un peu comment on va aller découvrir nos autres protagonistes. Et puis en découvrir un peu plus sur l'histoire, parce que pour l'instant, pas grand chose. Hein. On est sur, c'est resté très discret sur le but, sur tout ça. Donc là on voit que John Cooper est venu à Flagstone pour retrouver un vieil ami. Donc peut-être un nouveau protagoniste. Bon, on va pas attendre plus longtemps, on va aller regarder tout de suite la cinématique et voir un peu ce qui se passe. They tore down old William's house the other day. Now why do they have to do that? Can't they lay their tracks between our homes? Aw, stick to the game, will you? I'm just saying. If they ever come to my house, I'll show these railroad thugs who's balls. Oh shit. Well, what can I do for you, gentlemen? Oh, we'll get to you in a minute. You know the drill. Everybody out! Yes, sir. Look at them run. Something in your ears? Just finishing my drink. Listen, asshole. We own this town now. So when he says out... We don't like troublemakers around here. Who do we have here? Well, you got double trouble now. What the hell? You again? They're running away like dogs. I can't blame them. Poor guys had to look at your ugly mug. Oh, you're welcome. You need a drink, so do I. Hector, yours is on the house. Gracias, senorita. They come back, you just call me. You really shouldn't. They'll kill you next time. They can try. I guess you've been here a while. Spent your time pissing off the wrong people, huh? I'm the one they pissed off. But as you're here, maybe we can work together. Oh, no, you are not dragging me into this. I'm here for Frank. Surround the place! Don't let them get away! Amigo, you're already in it. And besides, you owe me one. All right, let's get out of here. Come on, out the back. They're here somewhere, and we got all the time in the world. Well, these guys are out for blood. Who the hell are they? Part of the DeWitt Company. I've scores to settle with a few of them. All right, fine. But I hope you've got a plan. Sure. Let's head for the street. Nobody will bother us if we stay among the townsfolk, so we got room to breathe. So far, so good. But, whose heads are we bashing in? First, we got Jarvis here. Real tough guy. Right now, he's in that backyard trying to ride the town bull. Next is Wild March. She's on the first floor of the Flagstone brothel, drinking whiskey and watching the girls dance. Then there's the Duke. He's making rounds with his bootlickers up and down Church Street. And last is the foreman, McBain. He's a real asshole. Had his men tear down half the town so that he doesn't have to plan around it. So we get rid of them, head back to the saloon, and finish our drinks. That ain't much of a plan, Hector. Why do you think I've waited for you? All right. Let's get it over with. Oh, I'm ready.
Effectivement, okay. C'est pas vraiment un plan, c'est plus, plus des objectifs au final. Alors, Hector peut siffler pour attirer les gardes vers sa position actuelle. Hector peut également placer Bianca, un piège à ours gigantesque, mais étonnamment furtif. Effectivement, vu la taille du truc, t'as du mal à te dire que les ennemis ne le voient pas. Vu qu'Hector est malin, Hector aime bien associer ses compétences. Bon, c'est une autre façon de dire... Vous pouvez le faire, les gars. Alright, my duty. Let's lure someone into your embrace. On démarre par lui. I would hate to be that guy. See? The old girl hasn't let me down yet. I can handle it. Toujours pareil, toujours au début, cette... Bianca is ready. Cette façon de t'introduire les nouveaux protagonistes. Way, amigo. Hey, I heard that. Always trust in Bianca. There she is. This is nothing. I can do this all day. Il dirait qu'on peut mettre quelqu'un dans le puits. Come on, amigo. Je vais mettre lui dans le puits. Leave the big guy to me. He got you once already. Oublié à sauvegarder. Parce que... He's all yours. Alors, les longs manteaux sont les ennemis les plus dangereux. Hector est le seul à pouvoir les éliminer seul avec sa fidèle hache ou à point nu. Dakodak. Yeah, I'm in the mood for some chopping. Oh, I need that. Not your lucky day, is it? Hop, on va le mettre dans le puits. Je suis sûr que c'est un défi ou quelque chose comme ça. Can do. Il y avait encore un poste de garde ici, il faut faire attention. Ah, c'est dommage parce que genre du coup on voit un peu à quel endroit il a signé le poste de garde. On voit aussi qu'on aurait pu passer par devant, ça aurait été plus rapide. Let's go. Les personnages peuvent traverser les zones civiles sans être détectés, à condition de ne pas se comporter de manière suspecte. Le marqueur rouge indique le moment auquel vous allez entrer ou quitter une zone civile. D'accord. We're out. Relax. So who's first on your list? How about we just kill them in the order we like? Great plan you have there. You heard what happened with the church bell the other day? Yeah. Just imagine if it fell down on Sunday with half the town. J'étais tellement absorbé par par le fait que le gars me repère qu'au final je me demande s'il n'y a pas moyen de parce que j'imagine que lui c'est un méchant et en plus il a un nom particulier, ça doit être un gars qu'on doit tuer d'une façon particulière. Sure thing, amigo. Ah, je sais pas. On verra ça plus tard. Donc là je pourrais très bien monter, voir les pistolets. Bon comme on est en mode le plus difficile, j'ai pas énormément de vie donc on va se contenter de rester très discret et puis... Et puis voilà. Je sais pas si on peut passer par ici. I'd say he's gonna torment the poor animal to death. Unless he gets trampled first. Jarvis and his men hang around here. Bet he's having a go at the bull again. Then we better keep our heads down once we're in. There. Keep your eyes peeled. You coming through. Est-ce qu'il va bouger? Est-ce qu'il peut aller en dehors? Il a l'air de pouvoir aller en dehors. Still got it. Je crois que tant que j'ai le point d'exclamation, soit je fais du bruit, soit je peux être repéré, je sais pas trop. On va faire comme si tout allait bien. Alors, maintenant qu'on l'a fait lui, il faudrait qu'on arrive à passer lui. Lui, il peut pas nous embêter ici. Lui, par contre, peut nous embêter. Parce que lui, on regarde. C'est vrai qu'on a lui aussi, quand même. Ok, il le repère. Et lui.
penser à sauvegarder. Il faut que je pense à le faire. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça veut dire que je peux leur parler? I'd say he's gonna torment the poor animal to death. Unless he gets trampled first. That dumb bull is like a box of dynamite. Remember when we got it from your cousin and my boy threw pebbles at it? Bad fucking day. Ah. Let's get going. Il nous donne des tips. Un taureau énervé peut s'avérer très dangereux pour toute personne à proximité. D'accord. Comment l'énerver, c'est une autre histoire. Not a problem. Mais d'accord, ils sure. peuvent... Ok, ça veut dire quoi ça? Ils peuvent nous donner des tips pour les tuer. Yeah. Just imagine if it fell down on Sunday with half the town standing underneath. Ça veut dire que je l'avais déjà. Mm-hmm. On va aller écouter un peu tout ce qui se dit. You'd think you'd be more careful with that kind of money. I tell you, Mary Higgins is spending a fortune on his wedding. Almost bought out my entire shop. Yeah, he's been after Kate for years. Probably had this all planned out in case you finally said yes. Ha! Just like with Suzanne. Remember when that prospector tried to marry her? On my way. Oh. Je sais pas si je vais pouvoir les entendre d'ici. Your whiskey, madam. All right. Looks like the place is closed. The whorehouse. Townsfolk can't go in since Wild Marge took over. Not the front door, then. All right. Keep it low. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre là-bas? On a un gars, on a un autre ici. Sure thing. Et puis là. Okay. Et puis là-bas. Oh, il y a plein de. Je pense qu'il donne tous des conseils intéressants. Whisky. Ouais, le mar, je vois beaucoup de whisky. Les serveuses viennent. We were so happy when the mayor told us that the railroad would come. And now? It's the guy running the company. Yeah, he wants to see us gone. Doesn't give a shit about us. Yeah. Go. And did you sir? You are absolutely right, sir. This is outrageous. You can't just tear down my house. Company orders. Tracks gotta go through. The hell with your company. Here goes. Meet you there. J'ose pas trop courir parce que je me dis que si je cours, je risque de me faire repérer. On va éviter la zone là aussi. Won't take long. But they never told anyone they tore it down. Those poor people. Yeah, you ask me, the railroad's a good thing. They want us all gone, Earl. Can't you see that? Those tracks, they go right past my shop, way I see it. This is real good for business. Oh, you should be ashamed of yourself. Shall we? I'm on my way. J'ai pas non plus envie d'entendre tout le dialogue. Des trucs qui servent à rien. What about you? You know that Mayor Higgins is going to marry Miss Kate tomorrow? Yes, that poor girl. The man is a pig. Bet she's after his money. Don't say that. Ok, bon. Je crois qu'on a fait le tour. À part. Ah, ok, bon, ils avaient vraiment. Peut-être que comme j'ai pas entendu toute la conversation. J'ai peut-être zappé. Ask me, the railroad's a good thing. They want us all gone, Earl. Can't you see that? Tracks, they go right past my shop, way I see it. This is real good for business. Oh, you should be ashamed of yourself. Okay. Let's go. Je crois qu'ils ont pas dit de trucs en plus. Un truc qui pourrait m'intéresser. Dang, I thought all this would be un peu le souci, c'est qu'on n'a pas trop la traduction de. We were so happy when the mayor told us. Let's get going. Bon, c'est pas grave. No danger here. Alors, par où je pourrais rentrer? Par là-bas, ça a l'air quand même un peu plus facile de rentrer. A voir s'il y a des ennemis. Parce que lui, au final... Keep a lid on it. Let's do this. Ça serait plus facile de rentrer par là. Parce que lui, il peut nous poser des problèmes.
Alors, je pourrais aussi passer par ici. Ça serait une bonne idée. Sure, no problem. Par là-bas, je peux pas. All right. Don't let him get you, boss. I'm just getting warm, you hear me? Next time I'll have you watch. Plus c'est celui que je dois tuer. Le sauf. Lui, il regarde où? Il regarde là quand même. Lui, il guette l'entrée. Donc peut-être. Eyes on the target. F5. Someone's about to lose a few teeth. I knew I was right to bring you along. Sure glad I'm meeting your expectations. I'll take that. Oh, you're damn right about that. Nothing to it. I'm the best. Here goes. On va se lever quand même, ça fait pas. What? Oh. Won't take long. Who needs a haircut? Who's dead? On my way. Merde. Shit. Bon, du coup, je le tue, mais faut que je le prenne direct. I was right to bring you along. Sure glad I'm meeting your expectations. Voilà. Comme ça, ça s'est fait. I'm the best. Ah, c'était celui-là qui est venu. Ok. Donc là, mon principal problème, c'est celui qui est en haut là. Donc si je dois en tuer un, c'est celui-là. Sure thing. Nothing to it. On my way. Knife will do. One less to worry about. Shall we? You're heavy. Ok, ça c'est réglé. Hop, du coup Hector va pouvoir. Ah, ok, je peux même directement sauter ici. Come on. Et m'en occuper directement. Comment énerver le taureau par contre? Ça je sais pas. It looks like Jarvis here has been working that bull all day. If that bull gets angry, we're in for a show. Like that one time in El Paso. We're like every time in El Paso. On va tout tuer, comme ça c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus. Je peux... Who needs a good killing? I'm the best. And up. Let's go. Hurry up. Donc là, je pourrais par exemple grimper ici. Okay then. Eyes on the target. Faire ça, non? Comment je pourrais l'énerver? Si je balance... Ah, si je balance une pièce, il va sauter. Looks like Jarvis wasn't such a big shot after all. Voilà. One down, three to go. Oh, the things you drag me into. We've been through worse. Ouais, si je sais. Bien fait de pas y aller parce qu'ils m'auraient repéré. Donc là, les deux qui restent, on va les laisser. Ils vont pas me gêner. Ils bougent pas, ils risquent pas de repérer les autres personnes. On va passer ensuite
Est-ce que je peux vraiment passer par là? J'adore ça. Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas dans Commando 1 et Commando 2 quand je jouais à l'époque. Et qui me frustrait, c'est que les bâtiments, ils avaient... Je me rappelle... Enfin, faudrait regarder les anciennes vidéos... Les bâtiments qu'il y avait dans Commando 1. C'était... Il n'y avait rien. Dans le 2, on pouvait à peine rentrer dedans. Enfin, on pouvait rentrer dedans dans certains. Quoique, il avait déjà mis... Ouais, non. Dans le 2, on pouvait rentrer dedans et déjà bien se déplacer. Dans le 3, on pouvait quand même vraiment... les bâtiments, c'était... Certains bâtiments, c'était carrément limite des maps. On les a préféré basculer sur de l'isométrique et c'est tout à leur honneur. J'aime bien ce truc-là, ça fait un peu comme dans les Sims, c'est marrant. Ok, bon. Parlons peu, parlons bien. Le principe là, ça va être d'aller tuer Wild Marge. Let's go. Donc, l'info qu'on a eue, c'est que il faudrait... faudrait mettre quelque chose là-dedans. J'imagine pour l'endormir. Un taureau énervé, parce que... Oui, ça c'est fait. Beaucoup de whisky, serveuses viennent le prendre dans le tonneau en bas. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'équivalent... L'équivalent à un poison, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Bon, c'est tout, on va se frayer un chemin, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Parce que toi, t'as pas de poison, j'imagine. We're not done yet, amigo. T'as juste ça. Et toi, get on with it. Pas de poison non plus. All right. Est-ce que je peux passer par en haut? Meet you there. Who needs a good... Someone's about to lose a few teeth. Back in business. Here goes. Let's get going. Bring it on. Ok, ça passe tranquille. On est encore dans les premières missions, donc pour l'instant... Pour l'instant ça va, c'est pas trop trop compliqué. Est-ce qu'il y a possibilité de passer par ici pour monter? Non. On voit qu'il y a un petit endroit, un petit poste de garde. I'm here, amigo. Cet endroit là. Keep your eyes peeled. Hey. I can handle it. Let's do this. Hop. Come to Hector. On va en profiter pour cacher tout le monde parce que no problem. Si on cache pas des fois ça arrive dans notre dos et... Sure thing, amigo. Voilà. Sauvegardons. On a des poules ici. Intéressant. Ici on va pouvoir remonter par contre pour aller directement faire le truc de l'église. Ça c'est bien aussi. Alors hop. Par là je peux remonter. Toi tu peux m'embêter. Come on, amigo. Toi t'es visible. Je vais pas pouvoir... te tuer comme ça. Let's punch it. Time to use Bianca. Let's lure someone in. What are we waiting for? Peut-être passer derrière la cabane. Come on. Sure. Voilà, ça c'est fait. De ce côté-là, on a donc plus que toi qui peux m'embêter. Même pas. Here goes.
Who needs a good killing? Haven't got all day. Je pourrais utiliser les revolvers et tout ça, mais ça fait du bordel et j'en vois pas trop. Pas trop l'intérêt. Si je suis assez rapide, je peux le tuer et puis directement le mettre dans le puits. Coming through. I see. Voilà. Keep it cool. Ce que je vais devoir faire attention maintenant, c'est El Bonomo Verdo qui va venir ici, qui va dire oh je comprends pas, il y avait quelqu'un et il y a plus personne. Eyes on the target. Du coup. Someone's about to lose a few teeth. Back in and up. I'll take that. Okay then. Ouais. Est-ce que lui, je peux le tuer? Je peux pas le tuer. Enfin, lui, je peux pas le tuer. Parce que lui, regarde. De ce côté-là, on a lui, mais lui, il va pas nous gêner. El Poncho Man. Lui, du coup, on va s'occuper de son corps. Ah si, lui, je peux faire ça, oui. This town's going to shit. Time to make some noise. Yeah, I got it. Il fait peur. Looks like a job for Bianca. Just... All set. Alors si je suis bien caché. Est-ce qu'il me voit? Ouh, je suis pas très loin. Si je siffle ici, je vais l'attirer lui. I like it. Hombre, I heard that. Making a move. There she is. Hop, ça, ça dégage. Il va aller aussi dans le puits. Ils vont tous dans le puits. Voilà. This way, amigo. Tac. Donc lui, maintenant, je vais pouvoir l'avoir. These company assholes are everywhere. What's the matter with these guys? Let's get moving, amigo. Can do. Let's light this up. Bianca is ready. Let's lure someone in. There, over here. J'ai raté. J'ai pas pris en compte le fait qu'il allait mettre un peu de temps avant de poser son piège. Ah, c'est tout. Ah, et c'est vrai que je peux accélérer. Time to make some noise. Ça, c'était pas possible dans les anciens. Let's go. Hombre. Hombre. This place reminds me of the one in Deadwood. There's lots of whorehouses in Deadwood. You know, the one where they kicked me out. That doesn't narrow it. I live for this. Come to Hector. I can do this all day. On va continuer à cacher tous les cadavres. I see. Encore une fois. This is nothing. Si quelqu'un arrive. J'ai bien normalement, c'est pas possible. Ils ont tous des chemins préétablis en réalité, donc. Mais bon. Sur un malentendu. Ça peut passer. Donc. Ils sont tous cachés. You ready, amigo? Faut que j'arrive à rentrer, que je le tue. Je pourrais me cacher dans les armoires. Est-ce que j'ai un autre endroit où je peux rentrer?
Ça n'a pas l'air. Par là, mais... Ah oui, ici. I like it. Lui, il pourrait faire ça. Right. Je pense, ouais. Nobody messes with Hector. Just a sip. I'm in the mood for some chopping. You got it, amigo. Coming through. It'll be tight getting to March. She's on the top floor. Well, there's always a way. Hop. Ça passe bien, ça passe très très bien. Je peux peut-être trifouiller ou... Yeah, I got it. Hey, amigo. Think we could do something to the whiskey? Ah oui. Let's light this up. Est-ce que ça, c'est quoi ça? Moi, je veux bien mettre quelque chose dans le whisky, mais... Ah, peut-être... Non, il n'y a pas un truc à voler ici. Parce que lui... Oh, ça aurait été bien ça. Le seul truc que je vois, seul truc indiqué pour mettre dedans, c'est la bouteille qui est ici. On n'a pas du tout d'informations à savoir ce que c'est. What's up? Hurry up. Oh, here's a bottle of laudanum. Take too much of that and it's as good as poison. Let's hold on to that. If you say so. Sure thing. Oops. Cheers. I don't know, amigo. You kill a man, you look him in the eye. Like when you use that giant bear trap of yours? Hey, leave Bianca out of this. You enjoying yourself yet, Cooper? En train de s'embrouiller. Bon. Making a move. Who needs a haircut? Du coup, après avoir fait tout ça... tu dailles. Here comes the postman. Something. Hop. Va passer loin de... Come on, amigo. On va l'avoir à l'usure. You'd think he'd be more careful with that. Toi, tu vas aller chercher. I tell you, Mary Higgins is spending a fortune on his wedding. Almost bought up my entire shop. Yeah, he's been after Kay for years. Probably had this all planned out in case she finally said yes. Ha! Just like with Suzanne. Remember when that prospector tried to marry her? Je me trompe de bouton. Back in business. Well now, let's see. Really? I got you. Uh-oh. What is happening? I got the master. Take over. What the fuck are you? Oh, come on. Uh-oh. Oops. Bon. C'est pas grave, hein. C'était juste pour aller chercher. Je peux très bien faire. You'd think you'd be more careful with that kind of money. So. I tell you, Mary Higgins is spending a fortune on his wedding. Almost bought up my entire shop. Yeah, he's been after Kate for years. Probably had this all planned out in case she finally said yes. Ha! Just like with Suzanne. Remember when that prospector tried to marry her? Shall we? Hop. Oui, c'est vrai que j'avais dit que je m'occupais de... Tac.
Ah, mais Hector, il est pas. Something's. Hey, what's wrong? Help! Oh, shit. Got a hell, damn it. Maybe it was the whiskey. Est-ce que tu peux grimper aux échelles, mais pas aux vignes? Ok, bon, mais ils ont l'air de bien s'en foutre. Dakodak, alors toi, tu peux passer ici. Et toi, let's do this. Tu vas venir dans ce coin-là. I'm here. Sauvegardons. Ah, je suis sûr que je peux en caler un dedans. C'est compliqué de passer par ici. Ouais, j'aurais pas dû passer par ici. Je pense que c'est plus une aide pour aller tuer la nana quand on vient d'ici plutôt que l'inverse. Donc on va plutôt passer par là-bas. Ah bah oui, si tu te trompes d'endroit, ça le fait pas. Bon. Here goes. This is outrageous. You can't just tear down my house. Ça, je peux le faire tomber. Exactly, sir. You are. Toi, tu peux pas passer par ici. Je vais être obligé de. Get on with it. On my way. We've assembled here. Ça a l'air d'être facile. Our friend Bill gone passed away, crushed by a wall that some idiot didn't put up properly. It wasn't me. Josh. Shut your face, Josh. We're here to return his crushed remains to the earth. Ashes to ashes, dust to dust, and all that stuff. Guys, that's all I can remember. Any of you suckers want to say anything? Yeah, I got something. Bill was a good man. Never heard him lie. Yeah. Church and the beat his wife place like he was like this. Tomorrow. Not your lucky day, is it? Holy, that's three down. How come you pick a fight with every big shot asshole in town? Maybe I can't stand the big shot assholes. Oh, j'aurais dû me barrer très rapidement. How the hell did that happen? What do I do? You better not be in there. What do I do? J'ose pas sauvegarder. What do I do? Oh, this is wild. What do I do? Not a problem. This is wild. Nothing to do here. Can't do nothing here. Bon, ben ils sont partis, genre normal. We've assembled here because our good friend Bill done passed away. Je suis pas là pour faire 100%, donc on va continuer la mission puis on va finir la mission. It wasn't me. Shut your face, Josh. We're here to return his crushed remains to the earth. Je pourrais faire ça et puff, on n'en parle plus. Guys, that's all I can remember. Place this down. Checkers won't say anything. Oh, on peut lui faire tomber le truc sur la tête. Bill was a good man. Never heard a fly. Come meet his wife like he was. That's not right.
You rest in peace. Vous n'avez rien vu. Yeah, I'll miss Bill. He was capable. Yes, he was. Could nobody put up a wall as fast and as straight as Billy did. Josh, as we're all aware of now. I said it wasn't good. Won't take long. I said shut the fuck up. Yeah, whatever. I think we'll all set our piece. You two. Est-ce que je peux passer par la fenêtre? Start shoveling. I think I need a drink. Meet you there. La réponse est non. Just like old times, eh, amigo? Sure, no problem. All right. I'm on my way. El Pancho Man, est-ce qu'il peut me voir ici? Ça n'a pas l'air. They won't see us coming. This is where they're laying the tracks. McBain's the foreman and doesn't like anyone on site. Well, then let's keep it quiet when we head in. This town's got it rough. Let's do this. Je suis un imbécile. Got all day. Good girl. Est-ce que lui veut le voir? Il n'a pas l'air. Yeah, I'm ready. Keep your eyes peeled. There she is. Come to Hector. Coming through. Hop, pour l'instant tu vas rester ici. Objectif mis à jour, donc il ne reste bien plus que McBain. A tuer, panneau instable, mur instable. Moi je suis chaud pour le panneau instable. Ça a l'air marrant. Enfin, mur instable de toute façon c'est pas pour lui, ça doit être juste pour rentrer dans l'endroit. Let's get going. Alors par où on peut par où bien. On a deux poncho man l'un à côté de l'autre et un qui est en l'air. It's now or never. Je vais juste à chercher ce qu'il y a là. Par gourmandise. Got it. I got enough. Ah, bon, il n'en veut même pas. Alors, comment faire pour passer? I got you. Donc en plus d'être venu pour rien cet endroit là. Get on with it. It's now or never. Donc je peux pas passer par là. Shit. Mais je pense on my way. For a drink later. Je peux passer par là-bas. Ah ouais, j'avais pas prévu lui. Lui il va m'emmerder. Peut-être mieux que je sois. Oh, bon. Shall we? Moi je suis grillé. Je vais peut-être essayer de... Hurry up. Ouh, c'est passé. Ok, ce sera mieux de rentrer par ici, je pense. Hop. I'm here, amigo. Let's do this. All right, keep it easy. Time to use Bianca. Just all set. I'll use my singing voice. Pas une good idea parce que là du coup je vais appeler les deux. Faut que j'attende que lui s'en aille. Je peux peut-être faire un move de génie. Ah, voilà. Oh. Ok. J'avais pas prévu que même les civils... Not a problem. Même les civils allaient venir pour le coup. Ça paraît logique aussi. Hein.
who needs a good killing? Need sharpening. C'est tout. On va attendre que lui parte. On va tuer lui. On va l'amener dans le, dans le, dans les buissons. Ok. Let's go. On va savoir si ça coûte rien. Let's go. Et on va rester là au cas où. Oh. Parce que, enfin, c'est pas au cas où. De toute façon, on va être obligé de rester ici. Parce que lui, quand il va revenir, du coup, il va se dire. Bah, chambre. Oh, il y avait quelqu'un ici. Eyes on the target. Hop. I'll get close and personal. Voilà. Got it. Ça c'est bon. Alors est-ce que c'est un problème? Ça n'a pas l'air. Est-ce que lui est un problème? Ça pourrait en être un, ça devrait le faire je pense. So this is why the train had to stop out of town. You'd think the railroad would be good for the folks here. But then they tore half the place down. Whoever ordered this wants these people gone. You mean Vincent DeVitt, the railroad boss? If you say so. Men like him are the reason everything's going to shit. Well, sure, because he's got men like us who do his dirty work. You're killing the mood, amigo. Okay. Donc je vais. J'hésitais à faire venir Hector, mais je pense que son piège, il va m'être utile. Time to use Bianca. Just she's ready. Let's lure someone in. Hey, over here. Keep your eyes peeled. She looks ready. This is nothing. I can handle it. Voilà, hop, ça c'est fait. Lui. Making a move. Je pense que lui, je peux l'avoir aussi. Looks like a job for Beyond. Time to make some noise. Ah, mais non, c'est un poncho. Et si c'est une poncho man? Poncho man, eux, ils s'en foutent de ça. Donc ça ne passera pas avec lui. I see. You're fired. Return to me. On my way. Je pense que lui je peux faire passer. Enfin l'autre aussi mais. Hurry up. It's now or never. Sure thing. You think this is funny? Look at this wall. Je vais passer. Totally wrong. Let's make it quick. Je pense que on va sauvegarder. Si je le tue, je pense pas que lui va me voir. Ah, il a pas compris qu'on le voit. Ok, je me fais sauvegarder. Donc. Donc je me pose c'est toi tu le vois pas du coup tu vois pas non plus lui par contre lui il le voit donc faut que je tue d'abord lui oui ok il va falloir faire une élimination combinée donc shift knife will do alright. On va continuer. I hate these guys. Après, il se pose, lui tranquille, il s'allonge. Comment on va
got it, amigo. Donc là, l'objectif, ça va être de les coordonner tous les deux. Qu'ils les tuent tous les deux ensemble. I'm in the mood for some chopping. On est prêt. On est beau. On est bien. C'est parti. My way. C'est un coup dur pour le joueur français. Donc lui, il peut m'embêter. Je pensais pas qu'il allait le voir. Et lui, il peut le voir aussi. Lui, par contre, il voit personne. Donc lui, c'est sûr qu'il me gêne pas. Lui, il voit là, il voit là. C'est pas simple. Ok, je peux peut-être faire autre chose. Tech, ah c'est un Panchoman. Donc il va pas être beaucoup réceptif. Ok, c'est passé. Comme dans un mouchoir de poche. Donc là, je vais pouvoir relancer ça. Continuer. Oh. Oh. Putain, j'avais fait le plus difficile. Donc, on relance. Toi, tu vas faire ça. This town's going to shit. Making a move. Lui a décidé de m'embêter. Who needs a haircut? Tu vas faire ça. Non, non. Yeah, I got it. Time for the axe. Tac. Je te ravance un peu. Et on est parti. There goes another. What's the plan? Je suis un imbécile. Il était bien trop loin pour que ça me gêne. I'm here, amigo. Yeah, I got it. Voilà. C'est ce que je vous disais pendant le premier épisode, c'est que c'est beaucoup de die and retry. Et c'est intéressant parce que au final ça nous permet de toujours essayer des stratégies différentes, ce genre de choses. Si on devait recommencer à chaque fois la mission, ça serait compliqué. Keep your head down. Not a problem. Et c'est parti. Done. Le Poncho Man. And up. Ok. Donc tout ça c'est bon. Il lui parle pas à lui. Donc lui je pourrais le tuer. Time to go. On my way. On my way. Time for the axe. Let's light this up. Did you even look at the plans? Whoever did. Ouf, j'ai eu peur. Finish these guys, shall we? Those idiots. We'll never finish in time. On va essayer comme ça, on va bien voir si j'ai besoin de. Je pense que si je fais un bon enchaînement, je peux tuer l'autre derrière. Shift's over, McBain. That's it. All done. Satisfied now? You'll be able to sleep at night? I'm fine, Cooper. Let's head back to the saloon. Our drinks are still waiting. Let's get going.
Ce qui est amusant, c'est que c'est fait passer les différentes morts pour des accidents. Donc c'est ça, tout le monde est poignardé sur le côté. C'est... On fait rien. Risque de voir le cadavre. We were so happy. I'm on my way. Hey, je vous laisse avec la petite cinématique, je pense. Gentlemen, I saved the whiskey for you. Gracias, señorita. Don't worry about those men anymore. We took care of them. Oh, that's kind of you, Hector. We sure could use a little more quiet around here. Well, fellas, I have to step out. Would you mind keeping an eye on the place? Leave it to us. Help yourselves. I'll be back in a few. So, how long you been here? Couple of days. Why are you asking? Did you find him? You know where he is? You have to bring this up now? What the hell, Hector? Just saying, we just had a good time, so why ruin it, huh? Look, I'm not here to play the Good Samaritan. We both know he's working for DeWitt, so just tell me where he is. Easy, amigo. Last I heard, he's at the mayor's house. It's just a short ride up the mountain. No reason to waste any more time, then. You sure this is a good idea? It's getting late. I put this off long enough. What difference is one more day? Where I know Frank, he'll still be there tomorrow. All right. Tomorrow, then. That's right, amigo. Now, tell me what you've been up to. Voilà, voilà, donc c'est quelque chose que je vous ai pas montré sur la première mission. On a des objectifs à remplir. C'est pour un peu nous faire recommencer le jeu, ce genre de choses. Voilà, donc on avait bien enterré Josh. C'était le gars qu'on voyait après. Et un truc sympa qui est assez, marrant, c'est regardez ce qu'ils ont fait maintenant. Avant il n'y avait pas ça sur les anciens commandos et tout ça. En fait on voit tout ce qu'on a fait à quel moment dans la partie. Comment on s'est débrouillé pour rentrer. Alors, ça c'est le moment où je suis allé regarder toutes les conversations à droite à gauche. Bon, on voit le moment où je suis mort. On voit les combien de personnes j'ai tué avec quel protagoniste. C'est assez marrant à regarder. J'imagine que c'est pour ceux qui vont faire du speedrun, ce genre de choses, pour optimiser la façon qu'ils ont de terminer un niveau. Et donc voilà, je trouvais ça sympathique. On voit par exemple tous les morts que j'ai fait, que j'ai laissé, que j'ai pas caché. On voit que j'ai fait 40 sauvegardes, 9 chargements, que j'ai tué 18 personnes avec Cooper et 16 personnes avec Hector. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite. Ah oui, on a un petit résumé donc. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable journée comme j'aime le dire, et je vous dis à la prochaine fois pour la mission numéro 3.